de compenser le. Marche naturelle. Donc, à la posture d'attaquer, il attaque. Voilà, j'ai une technique. Deuxième. Meilleur déséquilibre, Adémi, donc main ouverte de face et ensuite amené au sol. Le dégatamé et contrôle. Ça, donc défense, Adémi. Ensuite, rotation, mise en déséquilibre de hockey. Pour qu'il puisse se récupérer. Défense, si je suis pris en arrière, là, donc on demande au premier dan de ne pas être comme ça. S'ils sont comme ça, ils sont morts. Hein. Donc il faut tout de suite défendre. Et ensuite, rotation et amener au sol. Donc c'est là un peu difficile parce qu'il faut bien tourner autour de l'épaule. J'attaque. Défense, rotation, écrasement de l'épaule et amener. À l'arrière. Oui, alors normalement, à chaque fois qu'il y a un Timmy, il y a qui aille. Je peux attendre, je fais. Et ensuite, contrôle. Contrôle et après. Oh, ok, pas les là, exactement. Ça va, les mains, tout ça. Allez-y. L'attitude, jujitsu, judo, jujitsu. On va faire des contrôles comme hier, disait Bruno. Donc, il attaque en circulaire. Je riposte et j'attaque à nouveau, pour le calmer. Ensuite, contrôle et... Osoto-otoshi. Alors on demande au premier dan de montrer l'esquive, c'est-à-dire que si je reste sur la trajectoire, normalement je prends le coup. Si je reste là, je prends le coup. Donc il faut que j'esquive. Et je pars. Ensuite, je riposte pour le calmer et je contrôle. Ma main gauche qui contrôle au départ tourne pour projeter. Vers l'autre. Esquive. Si c'est pas d'esquive, ensuite, donc là il s'arrête. Il ne fait pas ça, donc il s'arrête, et ensuite, contrôle. Contrôle, il y a une clé. Et la projection se fait, le pouce dans le coude. Et rouge. Donc, moi j'esquive, si vous restez ici, que je vous tente, pour le calmer. Et ensuite, la dégage est mise, contrôle. Il défend, donc il tape avec ses pieds, normalement. Voilà, et il tombe. Je brosse et j'esquive. Ensuite, je reviens sans bouger les pieds et fais une clé de cheville. Et après, Tsubiyashi pour faire tomber. Bon, cette chute est dangereuse si vous faites. L'idée, c'est de le lancer sur la tête. Quand je vis dessus, donc. J'esquive, Gatan Barai. Il décale, il frappe, Gatan Barai. Et là, je projette
sur mon genou. Sauf que c'est dangereux. Donc je m'écarte.